marche comme ça. What the fuck? Oh! Sano. Ici. Il a de l'obsidienne. Ah, j'ai vu de l'obsidienne, je pense. Par là. So, je sais pas s'il y a quelque chose. En fait, j'avais un home en haut. Je vais vous montrer dans mes homes. J'avais un home claim. S'il y avait des claims. Mais je pense que la faction a dû être disban ou je sais pas quoi. Mais. Attends, on va remettre des warriors. Comment on fait pour mettre des esti blocs? Comment on fait pour mettre des crises de blocs? Je sais pas comment faire les gars. Sano. Ici. Regarde, voilà. Regarde, 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 regarde. Juste là. What? Oh. Oh shit. C'est claim? F map. What? Ouais, c'est ça, je disais, je pensais que c'était pas clé, man. C'est bizarre parce que c'est une base CQ, je pense. C'est CQ, je suis pas sûr. Oh, il doit plus avoir rien. Oh, fait chier, ça a été un bon let's play. Ok, what the fuck? Y'a quoi là? What the fuck? C'est genre de la protection? Quoi d'autre que celui-là? Oh! Une salle avec des fils. Des ta... Oh! Des coffres, des coffres, des coffres, des coffres! Il y a du stuff. On va casser ça. Ok, il est cassé. What the fuck? Il y a du stuff, les gars. Oh my god, il y a du stuff, les gars. Attendez. Ok, c'est bon. Je vais juste bouffer une pomme. Il y a du stuff. De l'XP, on prend. Oh my god. OMG, folk. Je pensais vraiment pas qu'il allait avoir quelque chose ici. Je pensais que c'était une base, genre, que quelqu'un avait un claim et tout. Mais comme on peut témoigner, il y a du stuff ici. Donc, attendez, vite fait. U3, Sharpness 4, Fire 2, c'est très bon comme livre. Plein de lave, plein de Upsy. L'Upsy, on va garder quand même. Tu vas mourir, gros. Voilà. Voilà. Parfait. Donc, potion. P2, on s'en fout un peu. Oh my god! P3, je vais prendre tout ça. Garde pour toi. Non, prends toi aussi. Tu as trouvé. Moi, j'avais juste un home à déclaim. Mais je pense qu'ils ont un claim. C'est un abonné qui m'avait TP, les gars. Comme vous savez, à chaque fois, il y a plein de gens dans mes vidéos. Vous regardez souvent dans les messages. Là. Il y en a plein qui disent TP, je piège et tout. Mais tu sais, des fois, ils me TP à des claims. Je garde des homes là-bas, parce qu'on sait jamais, tu sais. Peut-être qu'un jour, ils seront pillables ou raidables ou je sais pas quoi, whatever. Puis aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé. En fait, je me suis juste tapé à toutes mes homes. J'ai fait F-map. J'ai vu qu'il y avait pas de claim. Je me souvenais plus, il était où le truc. Fait que j'ai juste commencé à demander à ce gars-là de venir me montrer comment faire le bug X-ray. Enfin, le bug avec la redstone, comme vous avez vu qu'on a fait au début. Et il m'a trouvé, il m'a montré comment. Et on a trouvé la base, donc... Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de stuff. Ça a surtout l'air... ça prendrait de la stone. Tu fais combien d'FPS? Je sais pas, mais je lag beaucoup.
fuck. La base a fait laguer de ouf, je pense, parce que si je suis pas tout seul à laguer, ça veut dire que ça lag un peu quand même. Hein. Au 2 livres P3. Ouhouhou. J'avais même préparé des dispensers pour des trucs. J'avais pris. Ça, je vais les garder parce que j'en ai besoin. J'avais même pris des dispensers, je pensais qu'on allait devoir. Faire un canon pis tout. J'étais prêt à faire un canon, je pense juste que ça aurait été impossible à piller avec un canon. Enfin, peut-être que si, je sais juste pas, je m'y connais peut-être juste pas dans tout ça. J'ai quoi, c'est quoi ma base? C'est home base, je crois. Si vous bougez pas de bloc, genre juste en sautant comme ça avec le touchpad, vous pouvez le téléporter, je pense. Voilà. C'est ce que je disais. Donc, on va mettre tout ça là. Putain, enfin, au moins, on a quelque chose d'intéressant à faire dans un esprit. Je sais que dernièrement, j'ai juste fait des pillages, des trucs comme ça. Mais si vous voulez voir quelque chose d'autre, dites-le moi dans les commentaires, les gars. Hein, ça va me faire plaisir de vous concocter des petits épisodes fun et HD. Ta gueule. Je suis quand même fatigué un peu. Power 4, efficacité 4, lure 2. L'XP, on prend toute l'XP, ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va le mute. PKTU3, j'ai eu du PKTU3! Oh my god! Faudra juste les fixes. P1, P3, P3. Ok, man, c'est quand même vraiment fatigant, ça. On a pas des blocs, genre, plus haut. Il y a quoi, il y a un casque, lui? Comment il fait? Ah, oh, il a mis des barrières. Moi, j'ai pas de barrières, fait que... Je vais faire ça comme ça. On va aller voir peut-être plus haut ou plus bas, peut-être que... Ça va être une vieille base, en vrai, c'est pas des super bons loot, mais... Voilà. On va checker tout ça. What the fuck? TPS. C'est I need ça, les amis. J'ai vu du P3 ici, c'est le touch 1, ça je garde. Looting 3, on s'en fout. XP, on garde. C'est où ce qui s'en va? Ok. Piston collant, on garde pour faire des farms ou quelque chose. P1, fortune 3. Il n'y avait rien en bas. Message Sano, il avait rien. What? What? Merci. Non mais en bas, gros idiot. Ouais, c'est la belle rock. Ok, ok. Moi, perso, j'ai rien récupéré de extraordinaire. J'ai quand même eu des... juste de la belle rock. Ah, ok. Ok, parfait. On remonte en haut. Peut-être qu'il y a d'autres choses en haut, je sais pas. Donc, attends, c'est par là qu'il faut remonter. Ouais, là, on va juste descendre l'eau. On va couper ça pour nos amis en bas. On pourrait tout récupérer la base en vrai, mais... Enfin, je vois pas à quoi ça nous servirait, tous ces matériaux-là. Malgré que... Oh, il y a des coffres, là. Ah, mais ça, c'était où est-ce qu'on est arrivé avec la descente, non? Ouais, je pense. C'est bizarre. C'est bizarre comme base en vrai. Je comprends pas d'ailleurs aussi pourquoi c'était unclaim. Pourquoi il n'y a plus de spawner. Peut-être qu'il y avait des spawners au début. On peut clairement voir que là, il n'y a plus de spawner. Là, on peut carrément se le dire. Ça, c'est de la glace. On peut carrément se le dire. Regarde, il n'y a plus de spawner. Il n'y a rien. Fuck all. Assez étrange comme base, mes amis de l'internet. Mais au moins, ça commence bien. Un petit let's play aujourd'hui. On va quand même regarder. Peut-être qu'on... On oublie quelque chose, peut-être que la base va un peu plus haut à suite. On va quand même aller voir, ça lag énormément. Les fours, j'imagine qu'ils font laguer comme ça. Je vais engager à Tiger. Message Tiger.
mine toute la base. Voilà, on va voir s'il va être capable de le faire. Je vais aller voir en le fond si ça continue au-dessus ou si c'est la fin. Ouais, je pense que c'est la fin. Je comprends pas les gars, si vous connaissez les gars qui étaient dans cette base-là ou si vous avez pillé cette base-là, ils l'ont réparé et ils ont oublié de reclaim. Dites-le moi, j'aimerais bien savoir l'histoire de cette base-là parce que c'est quand même assez anodin. Je veux dire que des choses comme ça arrivent, je veux dire ça arrive pas tous les jours. Fait que, attendez, c'était où par où qu'on était arrivé? Par ici je pense, right. Boom, 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 boom. Et boum boum, voilà. Ouais, c'était par ici. Super. Je vais vous montrer le home claim que j'avais. C'était claim. Le home était carrément dans des claims. Là, si je me souviens bien, le home était dans des claims. C'était ici. Puis la base, elle est. Il y a les pseudos qui sont là. Fait que vous voyez, la base est là. Peut-être qu'il y a une skybase aussi. On pourrait voir. Peut-être que les gens, des fois, ils font des skybase. Ça lag énormément. Par exemple, quand on est dans ce chunk là. Holy fuck. Attendez, je vais enlever mon. Le sprint du milieu, vous allez voir, je suis à 120 fps. Dites-vous que normalement, je tourne aux alentours de 400-500 fps. Donc, ouais, ça lag énormément. On va aller au spawn, je vais vous montrer vite fait. T'es où? Je suis parti, ça lag trop. Faudrait miner tout pour empêcher les lags. XD. Donc, ouais, ça va être un problème aussi, les fours. Ça fait extrêmement laguer. Donc, il faudra le diminuer les chunks par. T'es pas Icons. Oui, je suis Icons. LOL. Putain, les gens qui croient que je suis toujours pas Icons. Y'a quoi dans le HDV qu'on pourrait acheter? Oh, une pomme cheat à 8 900. J'ai combien d'argent? J'ai pas d'argent, je pense. Je suis pauvre. Oh, j'ai 150 000. Oh, not bad, not bad. Qu'est-ce qu'on pourrait. Toutes les P4. Y'a quelqu'un qui vend toutes ses P4. C'est full poulet en plus. Il vend toutes ses P4. Il s'en fout. C'est la fin de la map. Oh oui, justement, en parlant de la fin de la map, les gars, regardez. Ici, vous pouvez voir. La map, le reset aura lieu le 23 septembre. La purge le 24 septembre. C'est quoi la purge? Je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo-là. Donc, la purge, ça va être un event. Où ce que le spawn, tout, il n'y aura plus de permission sur le serveur, en gros. Genre, comment vous expliquer? En gros, le spawn va être en claim et tout. Puis vous allez pouvoir péter TNT, faire tout ce que vous voulez dans le spawn. Ça va être un gros. Genre, il y aura. Quand vous allez faire slash spawn, ça sera pas protégé. Il y a quelqu'un qui peut rattraper le slash spawn. Il y en a d'autres qui pourront tout péter le spawn, etc. Parce qu'on réutilisera pas ce spawn-là pour la prochaine map. On a un spawn déjà en cours. Je veux pas. Les amis, sincèrement, genre, dernièrement, j'ai reçu des messages de personnes qui m'ont vraiment fait réfléchir, surtout pour la map 2. J'en vais en parler un peu après. Mais sinon, la date d'ouverture pour la map 2, c'est le 1er octobre. Donc, ouais, en parlant de la map 2, vite fait. Beaucoup de gens m'ont dit, ouais, Icons, vas-y dans le plus simple possible. On aime le serveur de base, rajoute pas des trucs trop compliqués. Dis-toi qu'il faut pas que ça lag, etc. Puis on aimerait ça avoir une communauté stable cette fois-ci. Et tu sais, qui ait pas beaucoup de lag. Parce qu'on va pas se le cacher, en cette version-ci, il y a quand même eu. Il y a pas mal de lag en ce moment à cause de justement des grosses bases. Il y a trois raisons des trucs de lag. Comme vous avez vu, c'est les fours dans les claims. Donc il y en a qui ont abusé avec les fours, les tables de craft, etc. Les blocs d'interaction dans le fond. Ensuite, il y a à cause que le Nether aussi, il y a un toit au-dessus du Nether. Il y a plein de gens qui ont fait des bases au-dessus du Nether. Le Nether, il est 75 000 par 75 000, beaucoup trop grand. La map est du 35 000 par 35 000, beaucoup trop grand aussi. On va réduire à du 15 000 ou 20 000 la prochaine map. Faut vraiment. Il y a plein de petites choses qu'on a faites qu'il faudrait refaire et améliorer. Aussi, le butcher, il n'y aura plus de butcher de mob. Donc, il y avait un butcher de mob, là, il n'y en aura plus. Ils vont avoir infini, donc il pourra avoir 15 000 mobs si vous voulez. Ben, je pense qu'il va en avoir, mais tu sais, genre, ça va être à tous les 5 heures ou quelque chose comme ça pour pas qu'il y ait des stacks et des gens qui crushent les mobs et tout comme avant. Et puis voilà, donc ça c'est les informations sur la map. Il y aura des nouveautés que je vais vous parler sûrement bientôt. Il y aura un Nether Custom, un End Custom et plein de trucs stylés en espérant les amis que vous appréciez ça. Aussi ça va être un semi-HF, donc il y aura des dead bans, il y aura d'autres trucs aussi stylés. Donc ça va vraiment être important les amis, quand vous êtes sur le serveur, très 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 important de garder sa vie, quoi. En gros, je vais m'expliquer. Oups, là. Qu'est-ce que je vais m'expliquer, en gros, c'est que vous allez avoir... comment expliquer? Comment je pourrais vous expliquer? Oups, là, c'est pas ça. Ça, c'est pour ma prochaine vidéo. Comment je pourrais expliquer ça? Oh my god, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros, genre... Pour mourir, va être important, parce que quand vous allez mourir, vous allez être ban. So,
Le temps que vous êtes ban, ça veut dire que c'est du temps où ce que vous pourriez pas, vous allez pas pouvoir farmer les émeraudes et arriver au classement. Aussi pour la fin de saison, je pense qu'il y aura des petits changements de plan. Donc on verra bien qu'est-ce qu'on va faire pour ça. Mais je pense qu'il y aura des petits changements de plan. Donc on a quand même récupéré pas mal de bons stuff dans ce pillage-là en vrai. Hein. Ça c'était ma pioche à la base. On a récupéré quand même du P3, P4 qu'on pourra fusionner et se faire des bonnes armures. Mais pour l'instant, on a récupéré tout ça. Donc, c'est pas si mal, les amis. En espérant que cette petite vidéo vous ait fait plaisir, si c'est le cas, les amis, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Affection. N'oubliez pas de me follow sur Twitter, sur Snapchat, sur Facebook, sur partout où ce que vous voulez, les amis. Je vous aime. C'était Icon. Ciao.